Bonjour! Bienvenue dans une nouvelle journée, nous sommes mercredi, voilà, 10, non? Les cheveux s'il vous plaît, je viens de me réveiller, enfin je suis réveillée depuis un petit moment mais c'est que je viens de me lever, il est 8h35, Antonin lui est dans mon lit depuis un quart d'heure et Robin il vient tout juste de se réveiller, donc je suis en train de préparer les biberons. On va se poser, ils vont prendre leur petit biberon et la journée va démarrer. Regardez comme il est beau! Il a mis ses nouvelles chaussures, son nouveau t-shirt qu'il a voulu absolument mettre. Du coup j'ai pas eu le temps de le laver, super. Bon, les autres vêtements sont là et puis je vais les mettre à la machine, c'est pas grave. Exceptionnellement ça va bien aller. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, super. C'est bon, il est 9h48, on part de la maison, j'allais oublier mon téléphone dans le garage. Donc on va à Action. Il n'est pas à côté de chez moi le Action où je vais aller, mais en fait le problème c'est que celui qui est à côté de chez moi, ils n'ont pas le produit que je veux, donc du coup je vais faire de la route, c'est pas grave. J'ai perdu les deux. Ils sont capotes. Bon, j'ai été à Zeman, je sais pas comment vous dites, moi je dis Zeman, bon bref. J'ai trouvé donc pour Abby, j'arrive, je vais t'en donner Antonin. Un lot de deux bavoirs comme ça, triangle de 99. Ils étaient sympas et pas chers. Un petit pyjama à 2,99 en taille 0 à 1 mois. Top, avec des petites glaces et tout. Voilà. Pour Robin qui mange comme un souillon, j'ai pris un bavoir comme ça, plastifié, tout léger. Parce que ceux que je trouve d'habitude, ils sont en plastique un peu dur, j'aime pas du tout. Là, je suis très contente, 2,99€. Puis en plus, les motifs sont très sympas. Hein. Pour Antonin, je vais trouver des slips avec des voitures. Alors, laissez tomber. Hein. Antonin et les voitures, c'est tout un truc. 2,99€, j'ai pris 2-4 ans. Je vais trouver une casquette, j'ai plus le prix. Parce qu'il l'a mis directement sur sa tête. Mais c'était moins de 4€. Une casquette Mickey, voilà. Il adore. Donc elle est très bien. On lui a pris également des petites lunettes de soleil. J'ai pris pour Abby un linge Mifi à 4,99€. C'est quoi la taille? 120-120. Donc c'est un grand. Donc je suis bien contente. Il y a plein de trucs Mifi d'ailleurs. Mais je me suis pas trop attardée parce que j'avais les enfants. Mais... j'y regarderai un peu plus près la prochaine fois. Et encore pour Abby, des chaussettes à 2,49€. C'est taille de 6 mois. Voilà, les couleurs classiques. Voilà pour mes petits achats. Nous avons un Robin qui joue tranquillement. Qui commence vraiment à être fatigué. Parce qu'il est 10h43. On va attendre un petit peu avant de le coucher. Et on a Antonin ici qui est en train de jouer tranquillement avec ses voitures camions. Tu t'amuses bien mon cœur? Oui. Oui, bah c'est chouette alors. T'es très sage aujourd'hui, je suis fière de toi. Hein. Moi, une voiture. T'as eu des voitures, bah oui, t'as été sage. Quant à moi, je suis en train de planifier la mise en ligne du vlog de mon poids pris pendant la grossesse pour le moment. J'ai encore 2-3 petites choses à faire dessus. Ça c'est programmé, ok, c'est bon. Notamment les images de faim là. Donc je vais faire ça et puis après je vais tranquillement aller les coucher parce qu'ils se sont endormis dans la voiture comme vous avez pu voir dans les images précédentes, mais c'était assez, ils étaient claqués quoi là franchement. En plus il fait quand même, franchement ça va niveau température mais il fait quand même un peu lourd et on a pas mal bougé dans les magasins donc du coup ils étaient chaos technique. Aujourd'hui, je dois avoir les stores qui arrivent, enfin les moustiquaires. Je crois que j'en ai parlé dans mon vlog d'hier. Mais en tout cas, le livreur n'est jamais arrivé, voilà. Et ma livraison a été reprogrammée. Ils m'ont demandé de la reprogrammer. Ils m'ont dit ça à 18h et quelques, alors qu'ils étaient censés arriver quand même entre midi et demi et 15h30, quoi. Donc, enfin, c'est un peu abusé. À 18h45, je reçois un mail pour me reprogrammer ma livraison. Je trouve ça vraiment abusé parce que les gens qui ont pas bougé de chez eux exprès parce qu'ils attendaient leur livraison, bah en fait ils sont comme des cons quoi, excusez-moi du terme mais c'est totalement ça.
Et donc là aujourd'hui il est censé arriver entre 13h10 et 16h30 si je me trompe pas. Donc ça va, c'est l'heure de sieste, donc j'ai rien à faire, enfin je suis à la maison, on bougera pas. Mais il y a intérêt qu'ils soient là quoi, au bout d'un moment faut pas déconner. Mais à chaque fois que j'ai eu affaire à eux pour une livraison, ça a toujours été le même problème. Donc voilà, à chaque fois ça a été reprogrammé, puis le lendemain ils retrouvaient pas la maison et tout. Ah bah finalement je vous le mets en point pick-up là, oui bah allez vas-y. Mais là il me le mettra pas en point pick-up, hein. Le colis fait 20 kg, je vais pas aller chercher un colis de 20 kg, c'est pas possible, c'est bon. Je crois que ça va être un petit peu compliqué les gars. Bon, bah je vais les laisser jouer, je vais faire ce que... Ma voiture. Elle est tombée? Je vais les laisser jouer un petit peu, je vais faire ce que j'ai à faire. Et après ils vont aller tranquillement au dodo. D'ailleurs je vous ai pas dit mais ce midi j'ai pris une pizza à la boulangerie pour nous trois. Donc on a mangé ça avec un yaourt et puis Robin une compote en plus. J'avais la flemme de faire à manger, on est arrivé, il était plus de midi 10 je crois, quelque chose comme ça. J'avais pas envie de me mettre dans un repas préparé parce que Robin aurait eu faim. Donc on a mangé ça et j'ai pas pris de dessert. Donc je commence un petit peu à avoir faim, je vous avoue, du dessert, là, je suis très sucrée. Moi je veux un yaourt. T'as déjà eu un yaourt? D'accord. Je peux te donner une compote si tu veux. Ouais. Et Et après je prendrai des fruits, encore et encore. Voilà, je vais peut-être arrêter de parler et puis je vais m'exécuter à faire ce que j'ai à faire. Hein. Je suis passée à Kiabi, j'ai fait des trop bonnes affaires, donc je vous les montre maintenant. J'ai pris des hauts pour les 3 enfants. Pour Antonin, 4 euros, donc un t-shirt comme ça. Ensuite, là, c'était pour 2 euros en solde, du coup. Un t-shirt comme ça. Pareil pour toujours 2 euros, un comme ça. J'ai refait ces t-shirts parce qu'en fait, il met des t-shirts en 3 ans. Alors qu'il peut passer largement aux 4 ans, donc du coup j'en ai profité. Un Mickey, il va être content. Il était à 6 euros, donc il est passé à 3 euros. Il est sympa ce t-shirt d'ailleurs. Oui, Robin. Pour Abby. Donc, c'est passé à 2,50 euros. Un petit t-shirt comme ça, ouvert tout derrière. En un mois. Pareil en un mois pour 1,50 euros, hein, comme ça. Oui, Robin. Je suis là mon cœur. T'inquiète pas, je suis toujours là. Pour 2 euros. C'est trop choupette. J'aime bien. Toujours pour 2 euros. Tac. C'est le même que le rose en fait. Ensuite un pull en 18 mois pour Robin. Qui était à 6 euros moins 70%. Voilà. Je suis là Robin. Et toujours 6 euros moins 70% et toujours en 18 mois. Voilà, ça lui fera deux petits pulls pour les soirs où on mange dehors et qu'il fait un peu frais. Ou alors pour après la saison prochaine, il sera toujours sur du 18 mois je suppose. Vu qu'il entame à peine le 18 mois maintenant. Donc on sera bon. Et j'en ai eu pour moins de 20 euros pour tout ça. Donc je suis trop contente, franchement parfait. Je file à Gémeaux pour essayer de trouver des sandales pour moi de couleur noire, ça serait bien. Puis voilà, on aura fini 18h. Bon, comme vous le voyez, hein, nous sommes sur une autre journée. C'est pas que j'ai oublié de clôturer mon vlog hier, mais ma caméra était restée dans ma voiture. Et j'ai tellement... Mon chien qui passe devant, ça fait biper. J'ai tellement fait de choses hier soir et j'étais tellement claquée, mais à un point, c'est... Oui, bon, allez, c'est bon. À un point, c'est même plus possible que j'ai abandonné. J'ai dit, c'est bon. On arrête tout, j'étais... HS. Antonin m'en a fait voir de toutes les couleurs hier. C'était très désagréable là, ces petites crises de jalousie. Donc en fait il le fait exprès quoi. Il le fait exprès d'embêter Robin pour que j'ai de l'attention sur lui. Alors que j'avais pas forcément de l'attention sur Robin à ce moment-là. Vous voyez, c'est vraiment. Et donc du coup c'est un peu désespérant des fois hein. Quand t'as accumulé un état de fatigue assez élevé et qui crie, qui fait exprès de t'énerver, qui te dit non quand tu lui dis quelque chose. Tu te dis non mais attends s'il te plaît tu vas avoir 3 ans, tu te calmes un petit peu.
Donc bon, les enfants sont pas toujours un bonheur, on va dire ça comme ça, même si je dis pas que mes enfants sont un malheur, hein. Mais dans le sens où parfois un peu de repos ça fait pas de mal, notamment aujourd'hui, hein. Il est à la crèche donc je me repose un petit peu, enfin j'ai Robin mais bon, un petit peu quand même. Voilà. Bon bah j'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.